Eh bien, salut à tous, c'est Otkax, j'espère que vous allez tous très bien, car on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau best-of pour la chaîne eFrance, et on commence ensuite avec Meg Gaming, qui vient à l'instant, comme vous pouvez le voir, de faire un magnifique RPG depuis le ciel sur un hélicoptère qui passait juste en dessous de lui. Le pauvre, il a rien dû voir arriver, il devait s'attendre à ce que l'ennemi soit au sol, mais c'est raté. Maintenant, un très beau coup de skill de la part de Nasty, qui va nous faire... Voilà, comme vous pouvez le voir, un beau double kill sur ennemi. Ça fait toujours plaisir et c'est souvent assez surprenant. C'est Monsieur Shark qui va nous faire un epic move avec un largage de bombe absolument parfait. Voilà, alors c'est-à-dire qu'on peut pas faire plus rase mode que ça. Il était sur l'ennemi physiquement pour larguer les bombes, ça a très très bien fonctionné. Quand on parle de skill maintenant, c'est A. Arnold qui va très bien se débrouiller pour réussir à prévoir la trajectoire de l'avion avec son RPG. C'est toujours très très compliqué parce qu'on sait pas trop à quelle vitesse ça va. Mais en tout cas, bien joué à toi, tu l'as eu en plein dans le mille. Maintenant c'est Jake Adams qui va faire un très beau coup de skill avec un petit peu de chance certes, mais il a quand même eu un très très bon réflexe. Alors c'est très simple, il était en situation un peu plus compliquée avec 20 points de vie, il va réussir à faire un quickscope juste parfait et le mettre en hitshot, du coup finir l'ennemi, mais on ne s'arrête pas là, bien entendu. Et voilà, encore un kill. Maintenant, c'était un très beau fail auquel Cryptex Nova va assister. C'est-à-dire qu'il y avait un avion ennemi qui s'est un petit peu pris pour en prendre le voltage et en essayant de passer sous un pont, mais ça n'a pas très bien marché. Maintenant le epic move de Elvino Robino. Il a vu l'avion et il est décidé à ne surtout pas le laisser en vie. Un pilote en moins, il s'est très très bien déplacé, il s'est placé dans la bonne direction, en direction de l'avion. Il ne s'est pas pris l'avion ensuite. Vraiment du très 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 beau move, bravo à toi. Maintenant du multi-kill, donc une série assez longue de kills de Hits Exotics. Qui va vraiment très bien se débrouiller avec son SRR 61, un très bon sniper qui normalement est fait pour la longue distance mais qui cette fois-ci va être très très bien utilisé à courte distance pour la protection de ce drapeau sur siège de Shanghai. Donc ça fait déjà le troisième kill comme vous pouvez le voir, il est assez redoutable, il veut vraiment prendre la zone qui est aux mains d'ennemis pour l'instant et pour l'ONG d'ailleurs il se débrouille plutôt pas mal. Il n'hésite vraiment pas à se servir des grenades, un atout vraiment très important lorsque l'on est en sniper, ça permet de one-shot plus facilement les ennemis et un double kill qui vient à l'instant de rentrer sur l'ennemi, ce qui permet de vraiment de laver un petit peu la zone de cette présence ennemie pour un peu mieux capturer le drapeau, en tout cas essayer de le prendre tout court. Et donc voilà, le drapeau qui finit par être pris grâce à son superbe travail, une très très belle série de kills. Il a vraiment fait beaucoup de kills, bravo à toi, c'est assez compliqué de jouer avec un sniper x8 à une courte distance comme ça. Et maintenant, un très beau fail pour finir avec Cédric Alain qui a voulu prendre un quad. Vraiment, qui s'est dit c'est une bonne idée, je vais faire quelque chose de bien avec. Et je pense qu'il a regretté, il a vraiment beaucoup regretté. Donc alors certes, le karma n'était pas de son côté. Et c'est le mobilier urbain qui va faire le travail à sa place. C'est-à-dire qu'il va complètement se faire arrêter le pauvre dans son élan. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne EA France. Et si vous voulez participer au prochain best-of, n'hésitez pas à laisser votre vidéo dans les commentaires. Ciao bye.